Le partage colonial a créé des états multinationaux qui sont souvent aussi des états patrimoniaux. Les élites prennent le contrôle de la rente, s'enrichissent personnellement, c'est la politique du ventre. Beaucoup de pays africains souffrent d'une crise d'état, des tensions entre peuples qui peuvent conduire à des massacres. Les anciennes puissances coloniales restent influentes en Afrique. Implantation de FTN, coup d'état, France-Afrique. Années 90, c'est la décennie du chaos. De nombreux conflits armés, un génocide au Rwanda. Manque de démocratie et corruption dans certains états. 2011 et 12, révolution du printemps arabe. Esclavage, colonisation, une Afrique exploitée. Post-colonisation, l'Afrique tente d'émerger.